Eh bien le bonjour les amis, c'est Angelus Yodasson pour ce déballage eh bien, de mon nouveau joujou qui est un micro en fait portable USB qui enregistre aussi comme on le verra sur carte mémoire en fait pour faire des petites interviews, des petits podcasts, des trucs comme ça. Et qui est un micro pour les retours que j'en ai eu de qualité. Alors on va passer hop la codec en mode macro pour lire tout ce qu'il y a sur la boîte. Donc en fait ils disent que c'est un micro qui est bien, un Brilliant Stereo Recording. Donc c'est chez Zoom, c'est le modèle H2 et ça permet de faire plein de trucs, genre des conférences, des concerts. Vous pouvez enregistrer votre guitare, vous pouvez faire des interviews, c'est surtout pour ça moi que je l'ai acheté. Un peu de podcast à l'occasion. Voilà. Alors la bête, on le verra plus en détail, mais en gros, elle est de cette grosseur là. Vous voyez, avec un petit écran de contrôle et les machins de navigation, les boutons de navigation, de contrôle et de menu, tout ça. Elle est en plus dedans, il y a une carte de 2 Go qui c'est toujours sympa, même si personnellement j'ai des 4 Go à mettre dedans. Alors vous voyez, un petit schéma vaut mieux qu'un long discours, tout ce qu'il y a sur la tranche. Donc sur le côté gauche, le left side panel. On a eh bien l'alimentation, le bouton on-off, le bouton pour le réglage de volume et une sortie casque par exemple pour régler le volume pour voir qu'on a un bon retour ou des choses comme ça. Et sur le côté droit, on a l'opposé, c'est-à-dire une entrée pour un micro externe. Vous me direz, c'est déjà un micro, mais si vous voulez choper le son plus loin et vous servir du H2 que comme un enregistreur, vous pouvez aussi. Vous avez aussi une prise line pour faire rentrer eh bien, par exemple un CD player ou autre, l'interface USB pour le raccrocher à l'ordinateur, pour le relier à l'ordinateur, et un petit interrupteur qui vous permet eh bien, d'avoir de régler le gain du micro en moyen, fort ou faible. Voilà. Et là bah, vous avez toutes les indications. Donc voilà, la LAN, un écran LCD de 128 par 64, on s'en fout un peu de la définition. Et tous les réglages qui sont là. Voilà. Alors, je vais tenter d'ouvrir la bête d'une seule main. Hop, voilà. Alors, vais-je réussir? Hop, tel le chimpanzé, je me sers de mes pieds. Voilà. Alors, qu'y a-t-il dans la boîte? Eh bien, il y a un petit étui. Alors ça a été rajouté. Normalement, c'est une option, mais moi, je l'ai pris. Oups, de ma gauche, en tout cas une. Je l'ai pris avec la petite protection en silicone. C'est toujours ça de gagner. Il y a, alors, la bête en elle-même. Vous voyez, comparé à ma main, hein, j'ai pas eu de main de titan, mais c'est à la fois assez grand pour bien tenir en main et à la fois assez petit pour ne pas nous embêter et être très transportable, c'est quand même le but premier. Vous voyez que ça marche avec des piles, ces deux piles AA, je crois. Il y a ah bah tiens, il y a la petite bonnette, je pensais pas que je l'aurais, en fait je l'ai dans la boîte, c'est magnifique. Il y a même plus de trucs que prévu. Il y a aussi le petit pied pour le poser. Voilà, je recule un peu. Le petit pied pour le poser, même si j'en avais un qui pouvait faire effet, c'est toujours ça. Donc en fait, c'est deux trucs que je ne pensais pas avoir vu qu'elle n'était pas sur le visuel, mais qu'en fait j'ai. Donc c'est top. Il y a la prise, le transfo, le chargeur pour nourrir la bête et recharger les piles si vous mettez des piles rechargeables, bien sûr. Là, il y a je ne sais pas ce que c'est. On dirait un petit sachet de transport, ça doit s'ouvrir un peu plus parce que là il paraît pas énorme. Des petits écouteurs qui doivent pas être top, enfin je sais pas, je vais pas leur cracher dessus sans les connaître, mais en tout cas qui permettent au moins d'avoir un retour et d'être trimballé discrètement. Le câble USB, hop, je vais repasser en mode macro, le câble USB normal d'un côté et mini USB de l'autre. Voilà, câble standard, on en a tous 45 chez nous, bande de geeks que nous sommes. Il y a là, eh bien, les prises audio jack, cinch, pour pouvoir hop, les mettre, par exemple, faire sortir le son sur une enceinte, les choses comme ça, ou au contraire le rentrer, ça dépend
de quel côté on le branche, on a vu les boutons tout à l'heure. Il y a enfin, ah oui, carrément un truc, ça je pensais pas l'avoir non plus, c'est top. Plein de surprises en fait dans cette boîte pour pouvoir tenir le micro comme ça, telle une star, une vraie star pour faire les interviews, donc ça c'est vraiment top. Et la carte giga de 2 SD fournie, donc c'est bien top. Il y a aussi une doc assez importante parce que c'est vrai qu'il faut quand même savoir le régler, qui fait plein de choses parce que c'est un micro, vous voyez, hop, LR stéréo, de très bonne facture. J'en ai eu que des bons retours sur tous les articles que j'ai eu, et je l'ai eu au prix imbattable de 125 € sur Amazon. Et oui, encore Amazon décidément. Donc sur Amazon, alors que d'habitude sur certains sites c'est plus autour des 200 €. En plus j'ai une petite ristourne dessus, voilà, hop, encore une main gauche. Donc c'est un rapport déjà qualité-prix imbattable, et en plus avec la petite ristourne que j'ai eue là, c'était carrément l'occasion à saisir, ce que j'ai fait. Voilà, donc c'était un déballage rapide du micro stéréo portable enregistreur qui ne fait pas le café mais presque, Zoom H2. Voilà, et je vous tiendrai bien sûrement au courant un peu plus tard de la qualité de l'enregistrement, de si j'en suis content et tout, mais ça je n'en doute pas. Voilà, c'était Angelus Yodasson, à bientôt pour une nouvelle vidéo.